Il est déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince Haïti. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, jeudi 26 avril, là, pour apporter tout élément d'information pour vous. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité. En fini net avec malaria sous tête d'Haïti, c'est sous thème ça, ministère Santé publique et population, célébré hier mercredi 25 avril, la journée mondiale la malaria. Activité sa fête en présence à partenaire national, international, cadre ministère SILA, élève et puis professeur. Nouveau ministre Kilti à communication, Joseph Guilherme Delva, prend fonction officiellement hier mercredi. C'est ministre Santé publique et population, Dr. Marie Gretawa Clément, qui dirige cérémonie installation. Guilherme Delva remplacé les Montoussins dans poste. Commission frontalière et défense nationale au niveau Chambre députée a rencontré mercredi 25 avril la ministre de la Défense Hervé Denis. Question remobilisation l'armée d'Haïti, projet loi organique l'armée a été parmi point qui était discuté. Et puis à l'étranger, pour dernier jour visite d'Italie dans le pays États-Unis, président français Emmanuel Macron prend la parole hier mercredi devant Congrès américain. Accord sur climat, dossier armes nucléaires pays Iran, t'es pas mis point qui était dans discours Emmanuel Macron. C'est point ça que quelqu'un n'a développé pour notre journal là. Restez branché dans pour pas se pas déplacer dans tout à l'heure. Merci pour fidélité ou attention nous retourner pour développement information yo. Et nous te disons dans grand titre, ministre de Santé publique et population, Dr. Marie Greta Roy Clément, installée mercredi 25 avril 2018, là, Guilherme Delva en tête ministère Kilti à communication. Cérémonie a déroulé dans le local ministère Kilti à communication à Paco, en présence du ministre sortant Limon Toussaint, directeur général du ministère Kilti Jean-Michel Lapin, directeur général du ministère communication Calvin Cadet, plusieurs cadres et employés dans le ministère SILA. Falan Delphin, à Kevin Pierre, a présenté nos reportages à nous suivre. C'était l'occasion pour Limon Toussaint, ancien ministre Kilti à communication, rappeler quelques divers travaux qu'il a réalisés pendant 13 mois, il était passé dans tête ministère et puis souhaiter nouveau ministre succès dans le travail qu'il a bien pour le faire. Des initiatives ont été entreprises, notamment dans les domaines de la protection du patrimoine bâti, du développement et du rayonnement de la culture, de la valorisation de l'identité haïtienne, ainsi que dans le développement et la diffusion de la communication face aux grands défis à relever. Ces actions ont été menées dans le respect des orientations et des priorités gouvernementales en utilisant de façon optimale nos ressources. Ministre Santé publique, la Dr. Marie Gretawa Clément, dans nos gouvernements, remercie ancien ministre Toussaint pour professionnalisme qu'il a mis au service population. Ministre Clément a profité de saluer la nomination de Guilherme Delva dans tête ministère de la Culture et Communication. Il fait connaître le gouvernement qui a une capacité à l'innovation pour travailler pour satisfaire à tant de population. Ce changement à la tête d'un ministère transversal comme celui de la communication et de la culture intervient dans un contexte particulier où, selon les vœux de Son Excellence le président Jovenel Moïse et les instructions du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, ce gouvernement se doit de produire des résultats à la dimension des espérances du peuple haïtien. Je n'hésiterai pas une seconde pour vous dire que le nouveau titulaire du MCC a tous les arguments en sa possession pour permettre à cette structure de remplir véritablement sa mission qui est essentiellement d'informer la population sur les activités entreprises par le gouvernement pour faire avancer la cause de la famille haïtienne. Nouveau ministre Culture et Communication remercie chef l'État Jovenel Moïse et Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour confiance placée dans l'île où il a choisi pour occuper fonction ça.
Ministre Guilherme Sedelva promet li pral travail pour exécuter feuille de route gouvernement Balia ak professionnalisme. Nouveau ministre culture et communication renouvelé engagement pour continuer bataille pour encadrer journalistes. Ça fait partie de sa mission, défendre la liberté de la presse, encadrer les journalistes, faire en sorte que la profession soit valorisée et certainement nous allons avoir des relations privilégiées avec les médias, avec la presse, parce que c'est à travers les médias, à travers la presse, qu'on pourra faire connaître au public les actions posées par le gouvernement, les actions que le gouvernement est en train d'implémenter pour répondre aux préoccupations, aux besoins de la population. Donc la presse, les médias vont représenter un secteur important. Ils sont déjà un secteur important. Défenseur droit journaliste, candidat prix mondial Liberté la presse UNESCO en 2008, secrétaire d'État communication sous administration Matéli Lamotla, c'est quelque part mis des chapeaux qui couvrent nouveau ministre culture et communication. Nous parlons Kounia au niveau du Parlement haïtien sous Port-au-Prince, puisque il y a un membre de la commission frontalière et défense nationale au niveau de la Chambre des députés qui rencontré hier mercredi 25 avril la ministre de la Défense, là, Hervé Denis. Question remobilisation de l'armée d'Haïti, projet de loi organique pour l'armée. Communiqué ministère de la Défense a été fait sortir sous ancien militaire qui était voulu faire tête passer pour membre de l'armée actuelle là, te nan mitan discussion yo. Président commission député Belange Pierre dit ministre lan ba yo an pile explication sitou sous projet loi organique y a travail sous lien qui doit soumettre devant parlement haïtien nan on date avant longtemps. Commission recommandé pour ministère prendre toutes dispositions nécessaires pour remobiliser cela mais en fait d'après le roi. En nous suivant extrait nan micro Fedner confident ak Moïse Ulbrich. Ministre était là depuis hier mais il était contrarié, il n'est pas venu donc matin et au niveau de la Chambre des députés en tant que président de la commission de défense, nous rencontrer ministre sur éventuelle loi d'application, loi cadre et loi organique et ministère et règlement en fait l'AMEA comme nous connaissons que l'AMEA est remobilisé mais nous avons besoin de questionner ministre sur règlement et qui pral régir en fait fonctionnement de l'AMEA. Et parce que nous connaissons que l'armée a démobilisé depuis tantôt 23 ans. Maintenant, il y a loi et règlement qui ont été gagnés, sont règlement qui m'a édité. Donc nous demandons pour que le ministre, pour que l'État soumette et proposition ça aussi rapide pour que le Parlement lui-même et que les statuts sous lui. Et autre chose, nous avons une question de recrutement qui a abordé parce que le recrutement a commencé. Et il y a tantôt, en fait, 8 à 9 mois ou bien une année, si je ne me trompe pas, côté que le recrutement a commencé, mais nous ne connaissons exactement qui ça a fait avec les gens qui ont recruté là. Et comme nous connaissons que le Parlement lui-même a demandé pour que un ensemble de principes qui étaient respectés, donc deux ministres lui-même font camper sous lui. Et maintenant, nous allons regarder comment est-ce que nous allons retourner avec le recrutement et qui ça ministre a besoin, tout comme moyen, parce que nous avons un budget rectificatif sous peu. Donc il faut que nous connaissions, parce que nous tient à ce que l'AMEA l'y remobilise, mais en tenant compte toute norme, tout principe, de façon à ce que pour nous gagnions là. Mais que tout le monde a souhaité gagner. Dernier communiqué à son communiqué tout qui était en pile problème côté que nous connaît que grand pile monde donc jusqu'à présent grand pile incompréhension des lits, grand pile misinterprétation des lits. Donc nous te voulons clair sous lit avec ministre parce que lorsque on parlait de réservistes donc il y a des monde qui ont 75 ans, il y a des monde qui ont 70 ans, tout le monde ça a metté au sous des pieds comme quoi aux militaires. Donc tel a été le cas nous avec ça qui sont passé pélig. Donc il y a des gens qui se font passer pour des militaires qui envahissent un commissariat. Donc tout ça que nous allons demander dans recommandation, nous allons demander pour que ministre là à travers avec commandant en chef là pour que au clair qui type de monde pour indexer, dans quel contexte tu fais et pour expliciter d'abord et dans quel contexte tu fais de façon à ce que pour que un ensemble de monde qui fait tête passer pour l'armée ou bien qui déjà a entraîné qui comprennent que yo c'est membre de l'armée etc. Donc être réserve pour autant selon ça yo dit selon règlement fonctionnement et règlement l'armée être réserviste pour autant pas dire qu'on c'est chef. Ministre de la Défense Hervé Denis Soubopali fait connaître qu'il prend toutes dispositions nécessaires pour remobiliser cela, mais en fait, d'après la loi. Ministre Denis annoncé avant longtemps qu'il a finalisé le projet de loi organique Force l'armée d'Haïti. Toujours dans le micro, Fedner confident avec Moïse Ulbrich. Nous bien montrer que
et c'est le job police là parce que nous avons fait un communiqué paraître avant et communiqué, hein, c'est un communiqué qui était très clair. Et tout le monde qui est dans l'armée, il y a l'autre monde, il ne faut pas profiter de tout de faiblesse institutionnelle pour faire pareil par eux. Donc nous tout profiter dit que toute question qui concernait des enfreintes à la loi pénale, ben, c'est la police qui a intervenu là-dedans. Parce que faut nous mettre en tête que l'armée, lui-même, il est là pour la défense, il y a un domaine pas libre à l'intervenu, ou pas pour l'armée dans la rue, qui a fait job police. La police a un job pour le faire. Donc, de même que nous dit que la constitution est claire là-dessus, que l'armée est intervenue. Seulement, c'est sur requête de l'exécutif. Donc, nous ne pouvons pas faire pareil comme ça. Il y a une autre question qui est sortie sur qui a fait et loi et organique là. Je vais répondre que loi organique là en cours, de préparer, nous avons un projet qui là. Donc, très bientôt, nous avons besoin que de passer devant le Parlement, et, mais après que le film délibéré en Conseil des ministres. Donc, nous espérons que nous sommes capables de vivre à ça, parce que loi organique là, c'est base là. Il y a des députés qui sont très. C'est pour règlement, tout ça. Nous pensons que c'est pour nous commencer par loi organique là. Lui-même, après ça, les règlements capables, peut-être que c'est règlement interne ou autre, nous n'avons pas qu'il y en a. Docteur Jeanne-Marie Joseph, qui est un des deux médecins légistes dans le pays d'Haïti, encourage les responsables dans la justice pour être capable d'apprendre à utiliser le service la science pour être capable de rendre justice. Pour docteur Jeanne-Marie Joseph, pas capable de gagner justice sans utilisation de médecine légale. En nous souvenons extrait dans la déclaration de Namiko Antipierre et Hervé Pierre. Nous avons toujours une tendance, nous avons une médecine légale, nous toujours une autopsie. Et même parce que c'est ne parle de médecine légale du vivant, c'est lorsque nous avons atteint à mon âme, mais nous ne savons pas mourir. Et la médecine légale thanatologique ou du cadavre. C'est lorsque l'agression ça a entraîné la mort de la personne. Mais lorsque on mourit, premier bagage qui est important, c'est aller sur les lieux du crime. Donc c'est ce qu'on appelle la levée de corps. Et il y a des professionnels que nous formons qui sont capables d'accompagner les magistrats donc pour aller chercher preuve. Donc force, lors dit qu'on va faire un procès, lors dit qu'on fait appel à un professionnel de la santé, qui ça va chercher pour qu'il soit fait appel à lui. Donc, lorsque bon crime qui commet, crime là, il commet non en droit. Et levé de quoi, son bail qui systématique, son bail qui prévoit depuis longtemps par la législation haïtienne. Donc, ben pas jamais gen levé de corps qui fait dans le pays ça. Donc, autant de que lorsque vous jouez un cadavre ou bien vous relevez un monde mourir, ou après c'est des policiers qui paraissent. Donc, qui a fait levé de corps et côté vraiment examen cadavre là pour le faire, c'est l'œil ou la gué comme ça. Nayon on mob et c'est le sort pour un juge de paix paraître donc il vient à chercher qui ça donc parce que l'autre dit que au jeune cadavre ou dit qu'on suspecte que son moun yo tué donc qui côté vraiment qui ca permettre ou connait ça qui t'est passé hein c'est sous lieu qu'au jeune cadavre parce que lorsque on joint un corps sur un lieu lorsque on une équipe pluridisciplinaire qui débarque composée de médecins composée effectivement de magistrats composé aussi de police administrative qui est capable de sécuriser cette scène, mais composé aussi des techniciens de scène de crime, c'est ensemble de professionnels qui est capable d'interroger cette scène. Merci Antimars et Hervé Pierre. Comité consultatif KR 2016 qui est la dernière représentant gouvernement Haïti et Japon réuni mercredi 25 avril là dans l'idée pour évaluer programme assistance alimentaire KR 2016 là qui s'est fui à quoi projet coopération haïtiano-nippon yo qui était signé 1er décembre 2016 là. Dans le cadre du projet Bureau Monétisation Programme Aide pour le Développement BMPAD, recevoir 5772,37 métriques diri. D'après le directeur général BMPAD, diri sa yo a gagné pour vendre sur le marché local dans l'objectif pour réaliser plusieurs projets, tant que reconstruction du lycée Jeune Fille et du lycée Marie-Jeanne. À nous suivre. La vente de cette cargaison va devoir servir à financer la construction
de certains bâtiments scolaires, dont le lycée Marie-Jeanne et le lycée des jeunes filles, qui tous deux et qui ont vu leur local respectif, le local du lycée Marie-Jeanne et celui du lycée des jeunes filles. Ces deux locaux-là ont été apportés à l'occasion du séisme dévastateur du 12 janvier 2000, de l'année 2010. Il ne s'agit pas de riz importé de Japon. C'est tout simplement un don. Il y a un monde de différence entre un don et, disons, des importations. On est loin de faire des importations par rapport à cela. C'est un don que nous avons reçu de l'ambassade du Japon, et ce don est servi tout simplement au financement de certains projets pilotés par le Japon, parce que ce don, c'est comme, je ne suis pas économiste bien entendu, mais comme j'ai fait la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, j'ai appris en économie qu'il y a des dons qui sont des aides, différents types d'aides. Ça, c'est une aide liée. Une aide liée, c'est-à-dire une aide pour la... Et une aide qu'on donne en vue de réaliser un projet précis. Et cette aide-là du Japon rentre dans le cadre d'une aide liée du Japon au gouvernement haïtien pour construire des infrastructures particulièrement scolaires. Et dans le cas précis du cas R 2016, il s'agit d'infrastructures scolaires, de deux infrastructures scolaires de nouvelle cité. Il s'agit de, je veux parler du lycée des jeunes filles et du lycée du cent-cinquantenaire. Et du lycée des jeunes filles et du lycée Marie-Jeanne. Retourne en grand titre, on finit net avec malaria sous terre d'Haïti. C'est sous thème sa ministère santé publique et population célébré mercredi 25 avril la journée mondiale à malaria. Activité sa fête en présence à partenaires national et international, cadre ministère SILA, élève et professeur Rachel Saint-Fort et Michel Joseph a présenté notre compte rendu. Éliminer malaria dans le pays a c'est une priorité gouvernement. Célébration journée mondiale malaria est occasion pour responsable ministère santé publique et population yo garder avec partenaires techniques et financiers. Ça a fait déjà une bataille à mener pour éliminer malaria dans le pays a et puis chercher ensemble puis bonne stratégie capable de faire face à des défis. Cette activité intervient dans un contexte épidémiologique marqué par une baisse du nombre de cas enregistrés de malaria, passant de 21 430 cas en 2016 à 19 135 cas en 2017. Cette baisse constitue une première depuis l'adoption du plan stratégique d'élimination. Ces résultats fort encourageants ainsi obtenus résultent des efforts qui ont été jusque-là déployés par le gouvernement de la République d'Haïti, le ministère de la Santé publique à travers l'UCP-PNCM, le personnel de santé, les ONG nationales et internationales, les acteurs du niveau communautaire et les partenaires pour la prévention et la prise en charge correcte des cas de malaria. Avec l'adoption du plan stratégique d'élimination 2016-2022, la coordination peut se féliciter du chemin parcouru. L'analyse situationnelle réalisée lors de l'élaboration de la note conceptuelle 2018-2020 a montré des avancées significatives dans divers domaines. Dans le domaine de la prise en charge, il y a lieu de souligner la révision du manuel de normes de prise en charge de la malaria, incluant les fiches techniques et les algorithmes de traitement. La dissémination de ce manuel se fera au cours du deuxième semestre de l'année 2018. Divers partenaires techniques et financiers qui étaient présents dans l'occasion félicitent les responsables ministères pour les efforts qu'ils ont fait dans l'île pour jouer un bout de malaria dans le pays. Pendant qu'ils ont dit qu'il y a des efforts qui doivent continuer à faire, ils promettent pour continuer à accompagner le gouvernement haïtien jusqu'à ce qu'ils arrivent à éliminer malaria dans le pays. Depuis 2004, le Fonds mondial a investi près de 87 millions de dollars pour la lutte contre le malaria en Haïti,
dont 21,6 millions pour la période à venir de 2018 à 2020, y inclut les intrants de santé. Cet investissement s'est toujours inscrit et continue de s'inscrire dans une démarche d'accompagnement et de soutien du ministère de la Santé publique et de la population. En tant que récipiendaire principal des subventions du Fonds mondial, l'organisation haïtienne de marketing social pour la santé est donc très honorée de collaborer avec le ministère et particulièrement le PNCM et tous les autres sous-récipiendaires ici présents pour continuer à renforcer les systèmes et les stratégies de santé visant à atteindre l'élimination de la malaria en Haïti d'ici 2020. Dans l'occasion de la célébration Journée mondiale malaria, le ministère de la Santé publique et la population remet plaque au nez à responsables diverses institutions pour travailler au fait dans le secteur santé dans le pays. Le ministre de la Santé publique et la population, Marie-Greta Roy-Clément, explique le ministère après l'intensifier l'intervention lutte contre malaria dans la zone Grand Sidla. Docteur Marie-Greta Roy-Clément dit qu'il comptait sur la solidarité partenaire avec la population. Il invite tous les citoyens à adopter un comportement responsable qui peut protéger la santé et la famille. Yon group machan kap mene aktivite yo nan mache Wilfred Germain ki chita nan Delma 31 eksprime men kontantman yo ayè mèkwedi 25 avril 2018 la par rapport ak estasyon machin nan ki asire transport Delma 31 ak Rifostin 1er ki dapre yo empêche kliyan yo frekante mache si la. Machin yo mande pou la meri Delma retounen sou desisyon si la. Anon sou yo kont randu avèk lui Lionel Jean-Louis ak Henri Robert Chéri. Décision mairie Delma prend pour déplacer station camionnette qui fait Delma 31 rue Faustin 1er dans rue Estella devant marché Wilfried Germain continue soulever mes contentement machin yo qui pas d'accord avec mes isa. En pile nan yo fait konnen machine yo barré entrer marché a la cause la vente l'a diminué parce que client yo pas vraiment gain accès pour fréquenter espace là. Même mon à pied pas qu'à entrer dans marché a machine yo coller yon de l'autre. Même à pied pour entrer, c'est machine pour abchirer pour entrer. Bon, ça n'est vraiment pas possible. Magistrat a rencontré avec M. Machéa. Il a dit que machine doit être mobilisé et appeler les stations là pour dire que c'est pas bon. C'est depuis que les gens ne sont pas rentrés dans Machéa. Vous comprenez? Vraiment, les gens ne sont pas rentrés dans Machéa parce que vous connaissez pas un côté pour machine ou parquer. Vous ne pouvez pas gagner un business ou mener. C'est juste seulement les gens qui sont à pied seulement qui sont fréquentés. Machan yo souhaité responsable la mairie d'Elma chita parler avec chauffeur yo et puis responsable marché dans l'idée pour joindre une solution à problème ça. Nous besoin pour débloquer pour marché à ouvrir parce que nous-mêmes nous que petite l'école, nous que petit monde faculté, la fin là on prend à la main la banque là mais nous faut marché à ouvrir pour nous vendre pour nous payer bio. Marché Wilfried Germain gain plus passé 150 marchands là-dedans qui vendent produits en cou, robe, toile et produits cosmétiques. Et c'est là nous fermons chapitre local. Nous prenons aller l'autre bord de l'eau, puis prenons nos pays États-Unis, puisque le président français Emmanuel Macron mette bout en visite d'État 3 jours, l'État fait dans le pays États-Unis. Pour dernier journée, Emmanuel Macron prononce un discours devant le Congrès américain, côté li aborde plusieurs sujets sensibles qui ont pour la relation diplomatique entre pays la France et pays États-Unis. Euronews pour plus de détails. C'est sous de longs applaudissements que Brigitte et Emmanuel Macron ont été accueillis par le Congrès américain, dernier temps fort de la visite d'État de 3 jours du président français aux États-Unis. Après avoir rappelé les liens d'amitié historiques entre les deux pays, Emmanuel Macron a évoqué les points épineux du moment, notamment le climat. Qu'on se le dise, il n'y a pas de planète B. Œuvrons ensemble pour rendre à notre planète sa grandeur, pour créer de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités, tout en préservant notre Terre. Et je suis sûr qu'un jour, les États-Unis reviendront dans l'accord de Paris. Concernant l'accord sur le nucléaire iranien, Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de travailler avec la Maison-Blanche sur un texte plus élargi, tout en rappelant la nécessité de préserver cet accord.
Il y a un cadre existant qui s'appelle le plan d'action conjoint afin de contrôler l'activité nucléaire de l'Iran. Nous l'avons signé à l'initiative des États-Unis. Mais nous ne devrions pas l'abandonner sans avoir quelque chose d'autre, de plus substantiel. C'est ma position. L'Iran ne devra jamais posséder l'arme nucléaire, insistait le président français. Enfin, évoquant sans les citer les taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium, Emmanuel Macron a assuré qu'une guerre commerciale entre alliés n'était pas cohérente. Puis d'ajouter, l'isolationnisme, le retrait et le nationalisme, ce n'est pas une option. 9 milliards de dollars américains, c'est montant l'argent dans les Nations Unies les besoins pour porter aide humanitaire et puis répondre à l'urgence dans le pays Syrie qui n'a pas fini en bayon la guerre. Plusieurs pays qui ont l'argent, yo acteurs qui impliqués dans le conflit signé, Union européenne a cloné, organisé dans la ville de Bruxelles, une conférence au niveau sous dossier la Syrie. À nous suivre. Une photo de famille pour une conférence que les Nations Unies espèrent généreuse. Les donateurs de la Syrie se sont réunis à Bruxelles pour la deuxième journée. L'ONU a chiffré les besoins à 9 milliards de dollars. Mais seule une solution diplomatique pourra mettre un terme au calvaire des Syriens. C'est ce qu'a rappelé la chef de la diplomatie européenne. Réunir les différents acteurs du conflit ainsi que l'Union européenne et les Nations unies ne peut que contribuer à permettre une amélioration de la situation politique. C'est ce sur quoi l'Union européenne continuera de travailler, uniquement sur l'aide humanitaire et le processus politique. De son côté, la Russie, indéfectible allié du régime de Bachar el-Assad, a regretté que des dignitaires syriens n'aient pas été conviés à Bruxelles. Je pense que c'est un inconvénient de cette conférence. Je pense que c'est une erreur. Ils auraient dû être invités, parce qu'il s'agit ici de répondre aux besoins du peuple syrien. Il aurait donc fallu quelqu'un pour représenter le peuple syrien. Alors que la guerre est entrée mi-mars dans sa huitième année, les tentatives de médiation n'ont jusqu'ici strictement rien donné malgré 8 cycles de pourparlers engagés sous les auspices de l'ONU. Le régime qui engrange les succès sur le terrain n'est pas pressé de traiter avec une opposition affaiblie. Reporter sans frontières RSF a présenté Rapoline sur Liberté la presse pour l'année 2017 là. Norvège, c'est le pays côté liberté de la presse plus respecté d'après classement RSF. Là. Cependant, Reporters sans frontières souligne un climat raïssant qui a développé contre journalistes dans quelques pays dans le monde. Là. À nous suivre. Le journaliste slovaque Jan Kuciak, assassiné alors qu'il enquêtait sur la corruption au plus haut niveau de l'État, tout comme sa consœur, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia. Tous deux sont devenus les symboles de la dégradation de la liberté de la presse, comme le révèle le dernier rapport de Reporters sans frontières. En 2017, la carte mondiale de RSF s'est encore assombrie, y compris en Europe. Ce continent demeure le mieux placé du point de vue de la liberté de la presse, mais c'est un modèle qui fait plus que s'éroder, qui se dégrade, avec des dirigeants qui s'en prennent de manière évidente au journalisme et qui vont jusqu'à récuser sa légitimité. C'est un jeu politique extrêmement dangereux pour l'Europe et pour les démocraties dans l'ensemble du monde. En matière de liberté de la presse, la Corée du Nord, la Chine, l'Égypte ou encore la Syrie demeurent en bas de ce classement mondial de RSF. Globalement, l'ONG dénonce un climat de méfiance et de haine à l'encontre des journalistes, y compris désormais aux États-Unis, où le président Trump n'a de cesse de s'attaquer publiquement aux médias. La situation se dégrade au-delà même du phénomène Trump aux États-Unis. Quand on se rend dans le fond des États-Unis, dans les États des États-Unis, on se rend compte que la situation des journalistes est de plus en plus difficile, de plus en plus d'arrestations lors des manifestations, de plus en plus de fermetures des sources. Un Freedom of Information Act, la liberté de l'information, de moins en moins respectée. Quatre des plus forts reculs enregistrés dans le classement de RSF concernent des pays européens, République tchèque, Slovaquie, Malte, Serbie. En revanche, les pays scandinaves ou la Suisse font figure de bons élèves. Et
Il est déjà 7h30 dans tout studio. Nous, il est arrivé le moment pour nous capables d'aller. Mais avant de nous dire bye-bye, permettre de nous rappeler un grand point qui domine l'actualité. En fini net avec maladie, malaria sous terre d'Haïti, c'est sous thème ça. Ministère Santé publique et population célébré mercredi 25 avril la journée mondiale la malaria. Activité sa fête en présence à partenaires nationaux et internationaux, cadre dans ministère Sila, élève et professeur. Nouveau ministre Kilti à communication Joseph Guilherme Delva prend fonction hier mercredi. C'est ministre de Santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy Clément, qui dirigeait cérémonie installation Sila. Guilherme Delva remplacer les Montoussins dans le poste. Membre commission frontalière et défense nationale en chambre députée a rencontré mercredi 25 avril la ministre de défense Hervé Denis. Question remobilisation la meilleure projet loi organique pour la Médaïti, t'es pas mis point qui te discuté. Et puis à l'étranger pour dernier jour visite d'Italie dans pays États-Unis, président français Emmanuel Macron prend la parole hier mercredi devant tribunal Congrès américain. Accord sur climat, dossier zam nucléaire iranien, tes sujets principaux dans discours Emmanuel Macron. Nous te contents ensemble avec vous pour te capable informer vous, ni rester seulement pour nous capable souhaiter au passé. Un très bon jeudi sur la télévision nationale d'Haïti. Rendez-vous à demain matin.